Bonjour à tous, mes très chers citoyens. Alors que je vaquais à mes occupations, j'ai remarqué que je ne vous avais pas encore parlé de moi, et plus précisément, de mes organisations en jeu. J'ai en effet plusieurs organisations, et avant de dire que je ne suis pas un joueur fidèle, laissez-moi vous les présenter. Lorsque j'ai découvert le jeu, j'ai tout d'abord voulu diriger ma propre guilde, constituée de mes amis proches et de quelques recrues en jeu. J'ai hélas abandonné rapidement l'idée par manque de temps. À l'époque, je suivais beaucoup les actualités de Star Citizen sur Canard PC, bien avant que celui-ci boycotte le jeu et le délaisse totalement pour des raisons qui leur sont propres. J'ai donc rejoint en tout premier l'organisation en 2014, il me semble. Elle est forte aujourd'hui de 360 membres, mais seulement quelques-uns sont réellement actifs. Cette organisation se nomme les Canards Patrouilleurs de l'Espace. J'aimais assez le concept et malgré le boycott du journal pour le jeu, il reste encore des dignes représentants qui font tourner l'organisation. Malheureusement, avec le temps, elle ne représentait plus ce que j'aspirais dans le jeu, et j'ai donc dû trouver une autre organisation permettant de me sentir encadré et soutenu. J'ai bien essayé de rejoindre les Star Pirates, mais après avoir gratté à la porte d'un chat qui essaye de rentrer pendant des semaines, j'ai dû reprendre mes recherches. En passant, je leur fais un petit coucou et les remercie pour leur travail énorme. Après pas mal de recherches, j'ai fini par trouver mon sanctuaire. Une organisation ayant des proportions immenses et une gestion très professionnelle des ressources humaines. Cette organisation providentielle se nomme la Symposis. Avec un site accrocheur et un design pro, c'est sans nul doute elle qui a attiré le plus mon attention. Symposis, c'est le nom du groupe d'organisation qu'elle compose, soit 8 au total. Il y en a pour tous les goûts, allant du mineur au guerrier, en passant par le transport et la finance. Parlons maintenant des 8 organisations membres. La première que je vais aborder est Mine Corporation. Mine Corporation Industries est une société de minage en milieu spatial extrayant des ressources de type minerai. C'est avant tout l'organisation en charge du minage et du marchandage des ressources minières sur l'ensemble des territoires contrôlés par la Fédération Symposis. Si vous aimez tout ce qui touche au minage, cette organisation est faite pour vous. Voyons ensemble les différents atouts qu'elle possède et offre à ses membres. Le droit d'exploitation totale des ressources minières solides au sein des territoires de la Symposis. Une escorte assurée par les organisations militaires de la corporation lors des interventions de minage à risque. Des bénéfices obligés grâce aux organisations commerciales de la Symposis qui s'occuperont de commercialiser les ressources récoltées. Fini les pertes de temps liées aux négociations et aux autres ventes. Ainsi, vous pourrez vous consacrer entièrement à votre activité. Vous pouvez toujours réaliser votre métier complètement en toute indépendance. La protection des intérêts des membres est une priorité. L'organisation ne favorisera aucun groupe extérieur au détriment des siens. Et encore tout un tas d'avantages que je vous invite à lire sur leur forum communautaire, disponible sur le site de la Symposis. Seconde organisation membre, le SMOS. Osmos fait partie des rares groupes ayant pour but de récolter la ressource sans laquelle aucun vaisseau ne pourrait décoller. Et Star Citizen sans les vaisseaux, c'est comme une bière sans alcool. Vous l'aurez donc compris, on a affaire à des récolteurs de gaz et d'hydrocarbures. C'est donc une armée de Starfarers qui compose cette organisation. Elle permettra le ravitaillement de la flotte Symposis tout entière. Passons à la troisième organisation membre, la flotte de transport interstellaire. Comme son nom le laisse présager, il s'agit ni plus ni moins de l'organisation de transport et de commerce de notre communauté. Basée sur un système économique de répartition équitable des bénéfices, elle assure à chaque membre réussite et prospérité. Si vous voulez être le chauffeur routier de l'espace, piloter les plus gros hulls et vous arrêter manger hot dog ou un hamburger au-delà des frontières, cette organisation est faite pour vous. Vous rejoindrez une équipe dynamique et motivée, prête à tout pour protéger ses membres et leurs précieuses marchandises. La FTI possède l'un des rôles les plus importants de la communauté dans sa course au développement et de son économie. La quatrième est une orga originale. Je vous présente la Trading Network. Trading Network est spécialisée dans l'activité commerciale et boursière en tout genre. Elle propose aux membres de la Symposis d'investir une certaine somme de USA afin de réaliser les plus gros contrats et ainsi réaliser de plus gros bénéfices. Elle fonctionnera un peu comme une banque, vous pourrez y faire des dépôts et recevoir des intérêts sur les ventes effectuées par la Trading Network. Si vous avez l'âme d'un trader, je vous invite à visiter leur forum pour plus d'informations. Et dans le cas contraire, si vous êtes nul en affaires, laissez-les réaliser ce pour quoi ils sont nés. La cinquième corporation concerne l'exploration. Nous parlons de EOS Horizon. EOS est donc basé entièrement sur l'exploration et tout ce qu'elle concerne. Dans ce groupe, vous visiterez des territoires inconnus à la recherche d'informations à revendre à la Symposis ou simplement pour votre bon plaisir. Point de saut et autres nouvelles planètes que vous découvrirez vous rendra riche, mais surtout vous permettra d'aider la communauté à avancer et se développer. Ils recrutent des explorateurs mais aussi des scientifiques. L'inconnu vous appelle, aurez-vous le courage de l'affronter ? Atlas est notre sixième corporation membre. Ici, ils ne vont pas par quatre chemins, mais plutôt par trois branches, armement, composants et recherche. Ce groupe est avant tout une corporation industrielle basée uniquement sur la production. Elle a pour but de produire des biens, militaires ou civils, destinés à la vente directe sur le marché. Du petit circuit électronique au complexe moteur quantique, ils proposent toute une gamme de solutions suivant l'évolution du marché.
Si vous aimez aider les gens et les soigner, je vous présente l'IRM. L'IRM est la Corporation de Médecins de la Symposis. Elle constitue le support principal au corps armé que nous parlerons plus tard. Elle permet de soigner et de secourir les joueurs en danger. Si cette carrière vous intéresse, je vous invite à visiter le forum dédié. Le 7ème groupe concerne la Panthère Symposis. Étant assez récente, je n'ai pas encore beaucoup d'informations à ce sujet. Elle sera constituée de pilotes de course et entièrement dédiée à cette activité. Dernière corporation, le fleuron de la Symposis est aussi notre plus grande fierté, j'ai nommé la Fagal. La Fagal est le bras armé de la communauté, le pilier central permettant à tous de réaliser sa tâche en toute sécurité. Forte d'environ 150 membres, elle possède l'une des plus grosses forces militaires françaises. Plusieurs javelins ainsi que beaucoup d'Idris dont le mien et de Polaris forment ensemble les bâtiments de suprématie spatiale. Si une carrière militaire est votre objectif, ne cherchez pas plus loin. Vous avez trouvé votre paradis. Vous pourrez prétendre à tellement de postes, allant du capitaine de frégate au citoyen de réserve. Vous pouvez rejoindre avec votre chasseur un Idris et faire partie de son équipage, ou simplement être opérateur radio ou mécanicien à son bord. Si le côté FPS est plus votre tasse de thé, l'armée de terre vous accueillera à bras ouverts. Vous serez affecté à un vaisseau Javelin ou un autre pour des missions terrestres à haut risque, ou simplement sécuriser une zone. Vous l'aurez compris, la Symposis fonctionne par le principe d'entraide. N'imaginez pas rentrer comme haut gradé car vous apportez une flotte impressionnante à vous tout seul. Au sein de la communauté, chacun doit faire ses preuves et monter en grade. Bon, c'était un gros morceau, hein. J'ai encore une dernière organisation, celle des Black Otters. Il s'agit simplement des membres d'équipage de ma frégate. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai hâte de vous voir en jeu et vous inviter à prendre le thé sur une planète perdue au milieu de nulle part. C'était les Black Otters pour la Symposis.